la mitomo. Yahweh, Yahweh, béni sa mitomo. Yahweh, Yahweh, bate la mitomo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver de milliers devant vos petits écrans pour ce nouveau journal sur les antennes de ma bannière télévision. Merci donc à vous de nous rejoindre à cette session d'actualité, édition qui s'ouvre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Guy Bandou Ndoungidi, a été reçu en audience par son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis. Il s'agit de la toute première rencontre entre les deux personnalités depuis la tournée pastorale de son éminence Simon Kimbangu Kiangani d'environ 5 mois de l'autre côté du Congo Brazzaville. Notre confrère de la radio-télévision kimbanguiste, Danny Kiala, nous amène au centre d'accueil de conférences de Kasavubu. Le numéro 1 de la province du Congo central, le gouverneur Guy Bandou, a effectué un déplacement avec une forte délégation à Kinshasa le jeudi 24 novembre 2022 au centre kimbanguiste d'accueil des conférences de Kasavubu pour rencontrer le chef spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Question de lui présenter ses civilités et de lui rendre hommage suite à un long voyage passé en République du Congo. Après un long moment d'échange, au sortir de l'audience, le gouverneur Guy Bandou s'est livré à la presse. Oui, donc nos entretiens étaient dans le cadre de l'échange que nous avons assez souvent avec le chef spirituel. C'est vrai qu'il, depuis qu'il est rentré de son long séjour de travail, au Congo Brazza, il a fait 5 mois là-bas, on n'a pas encore eu l'occasion de se voir, donc, parce qu'effectivement moi-même j'étais pris dans beaucoup d'obligations, donc il me fallait prendre de ses nouvelles depuis son retour de sa longue mission au Congo Brazza, et c'est ça qui a motivé ma visite de ce soir. Je l'ai trouvé en pleine forme, rayonnant, comme d'habitude. Content de sa mission qu'il vient d'exécuter au Congo Brazza, ça s'est bien passé. Et voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir communier avec ce saint homme. Oui. Un dernier mot, ben, écoutez, c'est ici je suis en famille, donc on a un peu parlé de, non seulement de sa mission, mais on a aussi parlé de, bien évidemment de la province, de l'évolution, des actualités. On a parlé de toutes les actualités au niveau de la province. Donc c'était un échange très cordial et comme d'habitude. J'ai vraiment apprécié son accueil et le temps qu'il a pu disposer pour moi. Tout à fait autre chose, mesdames, messieurs, le nouveau maire de Matadi, Dominique Nkodiembété, a passé la journée du dimanche 27 novembre 2022 avec les fidèles de l'église kimbanguiste de la ville de Matadi au cours d'un culte d'action des grâces célébré à la paroisse centrale kimbanguiste d'Imvuzi. L'autorité urbaine a été accueillie chaleureusement, un accueil digne de son rang, synonyme de soutien durant son mandat à la tête de la mairie de Matadi. Le nouveau maire de Matadi, Dominique Nkodiembété, a communié avec la communauté kimbanguiste le dimanche 27 novembre 2022. Accompagné de sa chère épouse, le nouveau patron de la ville de Matadi a été accueilli chaleureusement à la paroisse centrale kimbanguiste de Mvuzi, où l'église était en plein sacrement de baptême, avant de prendre place à la tribune d'honneur aux côtés du représentant provincial de cette église, révérend Ndungi Mailuaouke Octave. Ce culte a également connu la présence de deux membres du gouvernement provincial, à savoir le ministre des Transports, Mac Matondo, et la commissaire générale chargée des relations avec l'Assemblée provinciale. L'autorité urbaine de Matadi, Dominique Nkodiembété, a eu l'honneur de saluer la communauté mouvement par mouvement en faisant la ronde de cette esplanade baptisée Terrain du 6 avril par un défilé sous la musique de la fanfare kimbanguiste Faki Matadi.
Dans sa prise de parole, Dominique Okodiambété a lancé quelques slogans de l'église kimbanguiste avant de chanter une chanson très inspirée et hautement spirituelle pour cette communauté ecclésiale. Derrière lui à la tribune d'honneur, plusieurs cadres du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti dont il est également cadre. Connu par un sens élevé d'autoprise en charge, le fidèle kimbanguiste de Matadi a défilé sous les yeux de l'autorité urbaine avec des matériaux de construction pour le progrès de l'église. Toujours en province, l'association sans but lucratif Dynamique Guilé-Niembo, désormais implantée correctement et valablement dans la cité côtière de Moanda, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms, la cérémonie d'installation de la coordination territoriale de Moanda a eu lieu le samedi dernier. Le détail avec Cory Vanciala. Battez-vous, mobilisez-vous. Et nous sommes ensemble. Voici ma équipe pour vendre ici le nom. Dieu ne nous laissera pas. C'est cette phrase prononcée par Paul Bakala, coordonnateur provincial de l'ASBL Dynamique Guilé-Niembo, qui va conduire le comité territorial de la DGN Moanda tout au long de son existence. Installé le 26 novembre dernier, au cours de la cérémonie tenue à l'espace du restaurant Nourtaj Village, le comité de 14 membres nouvellement installé est chapeauté par Massia Lantsavu Odets comme coordonnatrice. Cette dernière sera secondée par Liévin Ngoyi au poste de vice-coordonnateur. Plusieurs points ont composé les menus de l'activité, qui a débuté à 15h30, notamment le mot du coordonnateur provincial, la présentation de la délégation provinciale, l'historique de l'ASBL Dynamique Guilé-Niembo, cet ensemble des points qui ont précédé l'installation de la coordination territoriale dans la ville côtière. Une fois les points à l'ordre du jour épuisés, différentes prises de photos ont tiré les rideaux de la cérémonie sur l'installation de la coordination territoriale de l'ASBL Dynamique Guilé-Niembo à Moanda. C'est à 17h40 que l'activité a pris fin complètement. Nous parlons sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce lundi 28 novembre 2022 par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine à Kinshasa au troisième round de pourparlers avec le groupe armé rebelle dans cette partie de la République démocratique du Congo actif jusqu'à ce jour. Les assises se déroulent à Nairobi au Kenya. Le détail. C'est dans cet élément. C'est par visioconférence que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à l'ouverture du troisième cycle de consultations politiques des groupes armés rebelles actifs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces pourparlers se déroulent au Kenya, à Nairobi, avec la participation d'environ 200 représentants des groupes rebelles. Pour les chefs de l'État congolais, il s'agit d'une nouvelle opportunité, peut-être la dernière, qui s'offre à ces rebelles d'adhérer sur la voie pacifique pour construire la mère patrie. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ces discussions sont présidées par le chef de l'État burundais, l'actuel président de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et les concours du président kenyan William Ruto et Uhuru Kenyatta. L'objectif de ces pourparlers est d'aboutir à la dernière feuille de route pour formaliser la cessation des hostilités et intégrer les ex-combattants au programme de désarmement et de réinsertion sociale pour une paix durable dans cette partie du pays.
Toujours dans ce chapitre, nous parlons de la situation humanitaire qui demeure inquiétante dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Le membre de l'association sans but lucratif SOS RDC sont allés au chevet des victimes déplacées de guerre des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Ils ont donc bénéficié des bien-vivres et non-vivres pour faire face à cette épreuve. La CVNI du territoire de Rutshuru, actuellement sous contrôle des rebelles du M23, ont tout abandonné. Leurs champs, des maisons et bétail, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à manger. C'est ainsi que de jeunes volontaires ont décidé de les retourner l'ascenseur. SOS RDC est une plateforme réunissant plus de 50 jeunes entrepreneurs de Goma et de Kinshasa. Mais chargé, SOS est venu atténuer cette menace qui cible les déplacés du camp de Kanyaruchinya. Nous sommes décidés de rentrer dans la chaîne de solidarité. Nous prenons cet élan de solidarité lancé par le chef de l'État pour venir visiter nos frères déplacés de guerre, pour faire les diagnostics. Mais en même temps, nous avons apporté des vivres que vous avez pris les images. Le kit est composé d'un lot de 5 kg de farine de maïs. De bâches, il y a aussi les habits, il y a le moustiquaire, mais aussi il y a autres habits que nous avons sollicités par-ci par-là. Certains déplacés passent la nuit à la belle étoile sous la pluie. C'est le cas de Bagigwa Wasso qui aujourd'hui n'a plus besoin de cacher ses dents. Il va ainsi couvrir sa famille et ses 8 enfants. Bon, apa. Je passe la nuit sous la pluie avec toute ma famille. Nous avons reçu aujourd'hui de la nourriture, des médicaments et la bâche. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. D'après l'Organisation des Nations Unies, OCHA-RDC, plus de 340 000 déplacés vivent dans une situation humanitaire critique dans la province du Nord Kivu depuis la reprise des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Kanyaruchinya, Daniel Michombero, Ma Bannière Télévision. Vous l'avez certes compris, mesdames et messieurs, c'est donc un reportage de notre correspondant permanent dans la région de Grand Lac, Daniel Michombero. Parlons sport avant de nous quitter. 4 rencontres de football étaient au programme du championnat national dimanche dernier, 2 dans les groupes, dans la grande province plutôt, du Katanga, autant à Kinshasa, capitale de la RDC. La journée était très belle pour Mazembe, Simba, Kamikaze et FC Céleste. Plutôt, la journée n'était pas bonne pour l'équipe d'Aringo Club Motema Pembe. Le détail, c'est dans cet élément signé Rivancial. Après les nuls sans but, mercredi 23 novembre, face à la jeunesse sportive Lumpa Group Bazano, le tout-puissant Mazembe Anglebert a renoué avec la victoire. Le dernier champion du Congo a battu dimanche 27 novembre le cercle sportif Don Bosco. Mazembe a compté sur des réalisations signées par Glody Likonza à la 54e minute de la partie, Joël Beya à l'heure de jeu et un but contre son camp à la 32e minute inscrit par Ngwayulu. Le seul but des Salésiens est l'œuvre de Mavungu sur pénalty à une minute de la pause. Dans le Lualaba, pendant ce temps-là, les cheminots du football club Saint-Éloi-Loupopo ont enregistré leur premier revers contre l'équipe locale, l'AS Simba Kamikaze, par 2-1. Loupopo n'a pas pu enchaîner sur place après les succès de 2-0 face à Blessing Football Club. À Kinshasa, le même dimanche, Céleste Football Club a dominé l'Athletic Club Kouya Sport par 1-0. Le club promu dans l'élite réalise un bon début de saison. Céleste est 4e au classement provisoire du championnat national avec 14 points gagnés en 8 sorties derrière l'AS Maniema Union, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Céleste Football Club va bien, mais pas le dernier club Motema Pembe accroché par l'AS Maniema Union de Kindu, un partout au terme de 90 minutes réglementaires. La Ligue nationale de football a programmé 3 rencontres ce mercredi 30 novembre pour la suite du championnat. Céleste face à Maniema Union, US Panda aux prises avec Lubumbashi Sport et Loupopo opposé à Bazano. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Jump.